Ça y est, j'ai lancé. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il y ait des gens. J'ai rien préparé, je pourrais prendre de l'avance, hein. J'ai rien préparé. Niveau cuisine, j'ai rien préparé, mais je vais attendre qu'il y ait des gens. Je vais attendre comme ça. Ah ouais, voilà, il y a des gens qui arrivent. Ça va, Octave? Ah, Aushiruban? Je suis obligé de me rapprocher. Kaldolol, ça va? Salut, Von. La pêche? Allez. Alors, on va faire ça. Ça et ça. Bonjour. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire bonjour au lieu de bonsoir. Il est midi 37 du matin. J'ai dit que je ferai un stream cuisine, alors je fais un stream cuisine. Voilà. Parce que, voilà, on dit des trucs, derrière, ça peut prendre du retard, mais on délivre toujours. Bonjour tout le monde, ça va? Contre-euphorie? Je sais, bonne. Salut Barberousse. Le vrai Médoc, il est devant toi. Regarde. Salut Filibeba. Merci Onekushi. Jasing. Alex Ortex. Ça va? On va cuisiner aujourd'hui? J'avais posté un message sur le Discord pour dire, ben voilà, si vous voulez cuisiner avec moi, voilà quels vont être les produits que je vais utiliser. Donc si vous avez ça, c'est bien. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Hein, de manière, la vidéo, elle est en replay. Vous pourrez toujours regarder pour faire pareil que moi. Salut Toram, pense, la pêche, Tortichat, bien ou bien? Le stream légendaire, attends un peu, hein, Tortichat. Attends un peu, parce que là, ah, je suis Clacos. Comment qu'il s'appelle? Darkest Dungeon 2. Et du coup, bon, fallait quand même que bon, bah, je me lève pour faire ça, là. Mais en termes de cuisine, j'ai rien, y a rien qui est. On va commencer from scratch. C'est-à-dire, on va éplucher des légumes. Vraiment, hein, ça va être. Voilà. Ah, bah t'inquiète, Corélissane. Je délivre toujours. En retard, parfois. Mais je délivre toujours. J'ai dit qu'il y aurait stream cuisine, il y a stream cuisine. Ça, mon frère. Merci. Invite-moi. Je leur fais ma ratatouille. Ah merde. Je vous ai raconté le jour où mon frère elle a fait de ratatouille. C'était ouche. Ah putain. Bon, ça va tout le monde? On teste 2 secondes, pardon. On teste un petit peu la technique. Hop. Installez-vous, on va cuisiner aujourd'hui. On va faire une spécialité chinoise. Hop. Hop. Nickel. Hop. Yes. A priori, on devrait être bien. On devrait être bien. Il se peut que je rajoute d'autres caméras si je me rends compte que ça correspond pas du tout à ce que j'avais prévu. Mais a priori, on va être bien. Bah ouais, JL. T'as vu, on essaye de faire ça bien. Ça va, Sila? Merci, Coralie-san. Merci Super Kiwi.
Ouais, le Stream Deck, alors voilà, c'est le seul truc, c'est que le Stream Deck, du coup, je vais devoir le manipuler avec des mains dégueulasses. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Voilà. Donc, on va cuisiner. Alors, on va cuisiner. C'est ça que j'ai de la manière, c'est ça que j'ai dit. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va cuisiner, écoute. D'accord. Film plastique autour du Stream Deck. Putain, j'aurais dû y penser. Chier. Là, je compte utiliser mes doigts qui sont pas sales. Ah ouais! Ah, Sir Mia, t'as pareil, t'as les mêmes idées. Ah ouais, mais parce que vous avez déjà vu des streams cuisine, moi j'en ai jamais vu. Ah ouais, porte-à-fion. Oui, merci, Mystery Santa. Je crois que j'ai eu l'info. C'est une excellente idée, effectivement. Turbo Falafel, merci, ça fait plaisir. Alors, je trinque à l'eau, hein. Parce qu'évidemment, il s'agit de. Dès qu'on manipule. Ça, c'est les règles de sécurité, les turfaces et turfausses. Dès que je manipule soit de l'électrique au-dessus de 32 ampères, soit au-dessus de 80 degrés Celsius, il est hors de question que je tourne à l'alcool. Donc là, je suis à l'eau. Exactement, Von. L'alcool, c'est seulement dans les plats. Alors, non, Scorny, on va pas faire de bourguignon. Aujourd'hui, on va faire une recette chinoise. On va faire le riz poulet façon Hainan. Est-ce que il y en a d'entre vous qui connaissent le riz poulet façon Hainan? Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà entendu quelque part? Riz poulet, ça va. Hein. Non, Yoni, il n'y a pas de chef de Twitch, tu vois. Non, y a pas de chef de Twitch. Pas que je te fasse un qui est le vrai médoc aussi. Toi, je fais comme ça, je fais. Hop, après, il y a d'autres médocs qui arrivent. Non, non, non. Non, non, non. Là, déjà, je vais devoir éplucher des légumes. Néon. Merci. Anyway, oui, c'est easy peasy, tout à fait, Usar, tu fais bien de le relever. Effectivement, le riz poulet façon Hainan, c'est easy peasy. Je suis pas là pour faire des consommés de homard. Enfin, pas tout de suite. Je fais l'équivalent du steak frites. Hein. Mais c'est super bon. Est-ce qu'on peut ajouter de l'ananas? Alors. Je répondrai à ta question tout à l'heure, pense. On va se faire un petit truc pour ce genre de questions. On fera un question-réponse. Ride, ça fait plaisir. Ça va? Ça va, le zit? Je vais cuisiner. T'as vu, je me suis levé un dimanche et tout. Je vais cuisiner. Je vais cuisiner un riz poulet façon Hainan. Alors, pour ça. Oh là là. Non, mais je vous dis, j'ai rien préparé. Je vais devoir tout sortir. Je vais devoir tout sortir. Il me faut une casserole pour le riz. Yeah, right. On en parle de l'appropriation culturelle, Usar. Alors, la recette, la personne de qui je tiens la recette n'est autre que ma femme qui tient la recette de sa mère. Qui tient la recette de la mère à sa mère, à sa mère. Secret de famille, quoi. Donc, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Oui. Peut-être, oui. Est-ce que je m'en bats les couilles? Je pense. Je suis légitime dans tout ce que je cuisine. Et vous devriez vous sentir aussi, vous aussi, légitime dans tout ce que vous cuisinez. Ne vous mettez pas des barrières. Il y en a déjà suffisamment dans le monde.
Tablier Jumbo, mais évidemment. Fun. Mais non, parce que l'histoire de ma femme, elle est compliquée. Et les origines, où ça a grandi, où ça a fait les papiers, où ça a réellement fait les papiers. C'est compliqué. Ah, fallait fuir. C'était ah, à une époque, c'était compliqué là-bas. Donc voilà. Légitime, exactement, Toyex. Exactement. J'ai envie de me faire un tablier. Légitime. C'est bon ça, petite ref à Secret Story. Salut Bella. C'est trop bon ça. Légitime. Faut que je me fasse des casquettes ou des t-shirts comme as. Anyways. Vas-y, vas-y, on va commencer à cuisiner. Je vais commencer à sortir les trucs, Twitch. Hop. Je vais commencer à sortir les trucs. Les affaires. Si vous avez pareil que moi, vous le sortez en même temps. D'accord? Et pendant que je sors les affaires, si vous le voulez bien, on revient à l'aide d'un petit magnéto sur les origines de ce plat, le riz poulet façon Hainan. À tout de suite. C'est dans l'île province chinoise du Hainan qu'est né ce plat. Voilà. Alors, là, on va commencer par sortir. Hop. Je vais sortir ça, je vais sortir ça. Donc, hop, hop, je devrais sortir le poulet aussi en vrai. Je remets la musique, hein, t'inquiète pas, Twitch. C'est juste, ouais, je suis tout seul à la réal. Ouais, je suis tout seul à la réal. Hein. Donc, hop. Hop, voilà. Donc, je vais sortir mon poulet. Ah, j'ai du poulet. Sortir du poulet. Je vais sortir. Hop, la planche à découper. C'est le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va cuire le poulet, Twitch. Putain, j'ai rien préparé. J'ai rien. Pff, vraiment, je suis un clochard. Installez-vous, les gens qui arrivent entre midi et 2. Riz poulet façon Hainan. Ah, le sauvage. On va prendre 2 cuisses de poulet. Alors, j'ai pris du poulet jaune. Twitch. J'ai pris du poulet jaune. Hop. D'accord? Voilà. Je vais sortir 2 cuisses de poulet. On va partir sur un principe que vous avez envie de cuisiner pour votre romance du moment. Ok? Vous avez envie de lui faire plaisir. Hop. Ça, on range. Ah, tiens, je vais sortir ça aussi. Donc, ça va être en gros pour deux. D'accord? Et puis, moi, vu que je suis seul en ce moment. Ben, déjà, c'est triste. Je me lave les mains. Et ensuite, ben, ça me fera à manger aussi pour ce soir. Quand je mangerai dans mon salon, seul. Lumière éteinte. Voilà. La première chose à faire quand on cuisine du poulet, des cuisses de poulet, la première chose à faire, c'est de laver le poulet. On lave tout à fait, ouais. On lave le poulet parce que autrement, on fait partie des crasseux et des crasseuses. On lave, on sait pas où il a traîné le poulet. Tu vois ce que je veux dire? Hop, j'ouvre ma poubelle. Ça, dans la poubelle. Donc là, je lave mon poulet. Bon, vous me voyez pas, mais faites-moi confiance. Voilà, il s'agit pas de mettre du savon et tout et tout. Juste, bah, tu retires en surface ce qu'il pourrait y avoir, quoi.
Hop, hop. On sait jamais. Non, mais parce qu'il a traîné à côté du bœuf, à côté du porc, à côté de d'autres poulets, peut-être il avait des fréquentations un petit peu, voilà, sulfureuses. On sait pas. On lave le poulet, d'accord? Hop. Voilà. Je me rince les mains, autrement je m'électrocute avec mon stream deck. Ah, ça fait plaisir, Yann. Merci. Hop. Donc, mon poulet, je le regarde, il est comment? Ouais, ça va. Il y a deux, trois bouts de gras qui dépassent. Ah, on va peut-être enchâsser un bout. On va peut-être enchâsser un bout. Yes. Ça, on tège. Voilà. Il est pas mal, il est pas mal. On va le jeter, Twitch. On va le jeter dans une casserole remplie d'eau. Et là, vous dites, attends, quoi? C'est ça ta recette, Médoc? C'est comme ça que tu fais ton poulet? Ouais, bah bouge pas. Casserole remplie d'eau. Alors attends, laisse-moi trouver une casserole. Hop. Trouver une grosse casserole. Grosse casserole. Voilà. Voilà. Je la remplis d'eau, t'as eu. Pas trop d'eau, mais pas assez. De quoi faire cuire les poulets en fait, de quoi les recouvrir. Voilà. Voilà, ça devrait être bien ça. On met ça comme as. Il me faut un chiffon en fait, en permanence avec moi. Je comprends pourquoi les cuistots en fait ils ont des chiffons en permanence avec eux. J'ai compris, je viens de comprendre. Je vais mettre dans ma poche. Un peu chiffon dans ma poche. Alors là, je vais allumer ma plaque Twitch. Je vais allumer ma plaque de cuisson. Il se peut que du coup, tous les. Et je suis très sérieux. Tout saute. Parce que j'ai un problème avec DF, je sais pas quoi. Non, mais, en watts. J'ai des problèmes hein, en watts. Et je les ai appelés, ils m'ont dit, on sait pas, c'est peut-être le carrément le réseau électrique qui est niqué chez vous. Donc il se peut que quand j'allume mes plaques de cuisson, tout saute. Auquel cas, bon ben en gros la recette, tu fais cuire du poulet à l'eau, après tu fais une sauce un peu. Et puis après tu manges quoi. Voilà. Alors, je regarde. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous, je vous lis. Hein. Je vous lis. Hein. Cure du poulet à l'eau, quelle hérésie. Von. Voilà, je vais faire chauffer mon eau. Je vais la faire chauffer. Elle chauffe, là, elle chauffe. Elle est en train de chauffer. Je vais la couvrir. Je vais mettre un petit peu de sel pour que ça aille plus vite. Et je vais couvrir pour que ça aille plus vite. Hop. Hop. Vous voyez, ici c'est. Voilà. Ici c'est propre. Hein. Ici c'est. Tout est étiqueté. Ben, c'est important la cuisine, quoi. C'est pour ça. Voilà. L'eau, je mets rien du tout. Il y a des gens. Alors, la recette que je suis en train de faire, le riz poulet façon Hainan. C'est comment dire? C'est un truc dont il existe 1000 versions. D'accord? Il y a 1000 versions en fonction de quel endroit. Là, c'est la version un petit peu thaï que je vais vous faire. D'accord? Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est comme les youtubeurs français. Il y a pareil, il y en a plein. Bon, c'est à peu près. Voilà. Moi, je vais en faire une. C'est peut-être pas celle de vos parents ou celle que vous avez vue à la télé ou sur Internet. C'est comme le couscous. Ouais, c'est pas mal, South Blue. C'est pas mal. Je vais couvrir mon affaire. Alors, évidemment, je vais pas activer la hotte parce qu'autrement, on va plus rien entendre.
Voilà. Quand est-ce que tu assommes tes anguilles? En attendant que ça chauffe, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je peux les foutre directement. Ouais, je vais les foutre directement. Je m'en bats les couilles. Et donc, je disais, ouais, dans le bouillon, là, moi, dans l'eau qui chauffe, je vais juste mettre les cuisses de poulet. Mais il y a des dingues qui s'amusent à mettre un demi-oignon, par exemple. Un demi-oignon, voilà, bon, ben si, c'est pour, si, c'est pour le truc et tout. Moi, je mets rien, parce que vous allez voir que la sauce est vénère. Vous allez voir que la sauce est vénère. Vas-y. Je mets mon poulet dans mon eau qui chauffe. Bien. Voilà. Alors le truc, c'est que la cuisine, ça se fait également avec les oreilles. Et là, moi, j'ai le casque sur les oreilles. Donc, j'entends pas forcément. Donc, si vous voyez, vous, Twitch, en arrière-plan, qu'il y a quelque chose qui brûle ou qu'il y a quelque chose qui déborde ou qu'il y a un problème, il faut me l'écrire en majuscule. Ok? Voilà. On va laisser le poulet, on va le laisser cuire, ça va prendre 20 minutes, 20 minutes plus. Et en attendant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à couper des trucs. Hein. Putain, fait chier. Bon, ben, je vais commencer à couper des trucs. Je vais éplucher des trucs. Je vais couper des trucs. Écoute, qu'est-ce que je te dis? C'est la cuisine. Non, mais après, c'est. Voilà. Non, il n'y a pas de chef de Twitch, Usa. Ou vas-y, pose une question, Usa. Pose une question. Mais une question. Une question, quoi, tu vois? Et les gens répondent, et s'ils ont bon, bah, ils pourront le dire. Ils pourront le dire. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. On va d'abord se faire le gingembre, Twitch. On va d'abord se faire le gingembre. Je vais prendre en termes de quantité de gingembre. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, je vais le découper, puis on va voir comment ça se, on va voir comment ça se goupille. Hop. Et donc ça fait le stream cuisine pendant le event. Ouais, alors c'est, il faut donner pour le. Faut donner pour les comment on appelle ça? Pour les gens qui ont faim, évidemment. Vous avez vu le message de Macron? Ou pas? Sur le The Event. Il a dit, c'est bien. Vous avez fait comme je vous ai dit de faire l'année dernière. Le mec s'attribue tout, quoi. Le mec s'attribue tout, quoi. Mais bon, c'est pas un stream politique. C'est pas un stream politique. D'accord? C'est un stream cuisine. Hop. Anyways. Ouais, alors je suis pas doué, c'est vrai, je fais de la cuisine, mais je suis pas doué pour couper des trucs. À part mes doigts. Donc là, juste, je suis en train de peler mon petit bout de gingembre. Histoire qu'il n'y ait pas de la peau. Parce que ça m'intéresse pas. Voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, ça, hop. On réserve. Ça plonge. Super nickel. Hop. Je vais mettre un coup d'éponge. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais mettre un coup d'éponge Twitch. Ouais, alors moi je mets genre, tu sais, genre 1000 ans à faire la cuisine, quoi. C'est mon truc. C'est un truc qui peut énerver. Je mets énormément de temps à faire la cuisine. Mais parce que c'est pas pour.
Je fais pas la cuisine pour juste, tu sais, me nourrir et survivre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, je prends mon temps, je nettoie les trucs, après je me lave les mains. Après je prends mon petit bout de gingembre, je le passe sous l'eau aussi. Voilà. Pour les petites impuretés. Voilà. Hop. Après je prends mon torchon que j'avais mis dans ma poche. Je fais comme as. Voilà. Et maintenant, on va découper un peu le gingembre. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Hop. 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 L'idée, c'est de prendre votre gingembre, le découper en dés, comme ça vous cassez pas la tête. Vous voyez ce que je veux dire? On le découpe en dés. Fait bizarre d'avoir le casque parce que du coup, j'entends pas ma lame qui pourfend le. Et ça me fait peur. Voilà. Fois qu'on l'a coupé comme ça, ben on va le couper comme ça. Hein. Ça, c'est plus facile. Voilà. Et là, il est en D. Hop. 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 J'aimerais bien avoir les knife skills des grands chefs. Je les ai pas. Hein. C'est peut-être parce que, oui, j'ai peur de me couper. C'est peut-être parce que ça. Voyez, j'ai pas le truc. On met le. Voilà. On met le bout des phalanges. On va être le bout des phalanges. Pour retenir la lame, en fait. Sur la lame. J'ai pas ça. Oui, je coupe comme un clochard. Mais c'est coupé en dés. C'est coupé en dés. Plie tes doigts dans l'autre sens. Merci, Nikoumouk. Ouais, je sais, j'ai déjà essayé, mais tu sais. J'ai peur. Alors, j'ai pas mal de gingembre quand même. Bah, c'est bien. Je vais le mettre dans une petite coupelle. On va appeler la coupelle un gingembre. Voilà. Je vais faire pareil avec de l'ail, Twitch. Je vais prendre de l'ail, je vais faire pareil. Le temps que le poulet cuise. On est toujours sur un principe de poulet qui cuit normalement. Yes. Dites-moi peut-être. faites le timer pour moi. Putain, j'aurais dû regarder à quelle heure. Parce qu'il faut pas qu'il soit trop cuit. Si le poulet est trop cuit, c'est dommage. Il est trop cuit quand vraiment la chair elle remonte le long de l'os du pilon, là, c'est dommage. Vous voyez? Par contre, il faut qu'il soit cuit, parce qu'un poulet pas cuit, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Salut, Barou. Ça va? Le poulet, il est dans l'eau pour l'instant, en cadeau bonus. J'ai juste mis du poulet dans de l'eau. C'est tout. C'est tout. Et vous vous dites, putain, mais elle est simple, cette recette. Et elle l'est d'une certaine manière. Et elle l'est d'une certaine manière. Donc, hop, je prends ça. C'est de l'ail. Il y a de l'ail dedans. Je vais prendre de l'ail. J'aurais peut-être dû en racheter parce que je sais pas s'il est bon en fait. T'es en train de te foutre de ma gueule, pense? Tu dis ça parce que je cuisine lentement? Merci Yvonne. On va prendre. Ouais, là, il y en a assez, je pense.
Il y a assez d'ail, il y a assez d'ail. Hop. Ça, on range. Hop. Bah, j'en profite, ouais, pour. Bah, ça, c'est ma cuisine. Voilà. Là, il y a un micro-ondes, le four, truc, le frigo. Voilà, ça, c'est mon frigo. Tout en haut, l'étage du haut, il est réservé au piment. Plusieurs styles de piment. Il y en a, ouais, il y en a plein. Plusieurs styles. Tiens, je vais sortir ça aussi. Ça va être bien. Ouais, ça va être pas mal. Hop. On va faire un peu d'ail. Gros plan sur quoi, Hussard? Sur quoi, la sauce? Piment au frigo, Destinova? Alors, quand je dis des piments, j'ai plusieurs piments. En fait, je parle de sauce pimentée. Je parle pas de piment. Mais tu pourrais très bien mettre la plante. Mais non, c'est des préparations pimentées. Voilà. Ah, salut les cobrains, ça va? Voilà. Alors, je vais faire un peu d'ail. Je vais faire un peu d'ail. Il y a la technique de prendre les trucs, de les mettre dans un verre, je sais pas quoi, secouer, puis sortir la peau. Chiant. Moi, je coupe les bouts. D'ailleurs, c'est pour le couper en dés. Ça, je jette. Et puis ça, après, je retire. Alors évidemment, après tes mains être d'off. Allez, après tes mains être d'off là. Après tes mains et sentent l'ail fort. Hop. Je retire le petit truc du milieu parce que c'est pas forcément digeste. Le petit truc du milieu là, ça. Je le retire. Et puis je retire la peau. Les endroits qui sont un petit peu fatigués également. C'est pas parce que votre ail il est à un moment donné, il est noir quelque part et tout, qu'il est mort. Hein. Vous retirez les endroits fatigués et puis khalas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc c'est pas académique, hein. C'est pas académique la manière que j'ai, mais écoutez, c'est pas grave. C'est principalement ça qui me prend, qui fait que je mets 1 000 ans à faire de la cuisine. Voilà. Mais c'est cool parce que moi aussi, vous voyez, j'ai le musique lo-fi dans la tête. C'est apaisant. J'aurais pu pioncer, vous voyez? J'aurais pu pioncer un dimanche. Voilà, faire du Darkest Dungeon 2 jusqu'à 7 du mat. Mais non, Twitch. Parce qu'évidemment, il y a des gens comme Onekushi qui viennent et qui donnent des sous. Non, parce que j'avais promis. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés il y a peu. Je suis en train de faire. Je suis en train d'éplucher de l'ail. Je vais en faire encore un. Pour faire le riz poulet façon Hainan. Je vais pas vous remettre la vidéo d'introduction. C'est pas nécessaire. Vas-y, ça va le faire, ça va le faire.
Faut que je me speed un peu parce qu'autrement, mon poulet, je vais le forget et ça va pas être bon. Pareil, le l'ail, on s'en bat les reins. On le schlassandé. Yes, Maelstroms, merci. Nickel. Donc ça fait quand même un peu d'ail, hein. Ça fait quand même un petit peu d'ail, mais c'est le principe. Et pareil, on va trouver une petite coupelle dans laquelle on va mettre donc nos aux. C'est comme ça que ça se dit. Hop. Je trouve une petite. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça maintenant. Voilà! Ouais, vas-y, un petit dernier là, vas-y. On retire vite fait la peau. Vite fait, vite fait. On retire vite fait la peau. Tac. Il n'y a jamais trop d'ail. T'as l'impression que tout va s'accélérer d'un coup, Yoni? Alors, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a un moment où il va falloir bien suivre. Salut Kika. Hop. Voilà. Je me lave les pinces. Enfin, je me rince. Je sais pas non plus. Ça va. Ok. C'est bon, j'ai mes affaires. J'aurai encore besoin de cette planche-là pour découper coriandre et concombre. Celle-là, faut que je la lave parce qu'après, je vais sortir le poulet. Alors, le poulet, on en est où? On en est où? Il est en train de bouillir. Là, il est en train de bouillir, là. Von, ça fait combien de temps que j'ai mis le... Ça fait combien de temps que j'ai mis le poulet? J'ai oublié. Ça fait quoi? 15 minutes? 18-19? 18-19? Peut-on dire que c'est un stream queer? Si t'as envie, ça... si t'as envie, tu peux qualifier les streams de ce que tu veux. 19 minutes. Ah, ça va pas tarder. Ça va pas tarder à être cuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va pas tarder à être cuit. On va commencer à réfléchir au riz. Hein? On va commencer à réfléchir au riz. Alors, le riz. Je vais prendre une. C'est où, c'est ça? Vas-y. Hop. Hop. Donc du riz thaï, hein, évidemment. Le riz parfumé. Voilà. Moi, je l'ai là-dedans. Hop. Pas en annonce de la nouvelle version d'Apex. Non, j'ai pas vu encore, JL. J'ai pas encore vu. Hop. Alors, voilà, c'est ça mon riz. Je vais prendre deux trucs comme ça. Je vais d'abord sortir mon rice cooker en vrai. Voilà.
Ça, c'est un rice cooker. Vous voyez? Pour mettre le rice. Voilà. Il a plus de 12 ans, je crois. Il a plus de 12 ans. Mais il marche, il fonctionne encore très bien. Si vous n'avez pas de rice cooker. Parce que là, pendant le stream, on va utiliser, en fait, on va utiliser wok, rice cooker, pilon. Si vous n'avez pas ça. Vous pouvez, si vous savez faire le riz à la casserole, faites le riz à la casserole. Hein. C'est le même principe. Hein. C'est le même principe. Presque. Presque. Anyways, on va prendre 2 cups de riz. Ok? Hop. Hop. Now. Le riz, évidemment qu'on va le laver parce qu'on n'est pas des gros dégueulasses. N'est-ce pas? Le riz, ça se lave. Voilà. Alors, pour ce plat en particulier, je vais le laver genre, on va dire, je vais le laver 2 fois. D'accord? Pour les autres plats où c'est simplement du riz, tout ça, en règle générale, je le lave qu'une fois. Il s'agit de pas non plus retirer tout l'amidon, toutes les histoires. Mais pour ce plat-là, je vais le laver 2 fois parce qu'on a envie que le riz il soit moins un petit peu moins aggloméré ensemble que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pendant que le riz cuit, est-ce que je peux faire une danse Fortnite? Je vais réfléchir, Hussard. Hein. Tu sais, c'est mon premier stream cuisine. Je vais donc laver le riz. Comment on lave le riz? Je vais vous montrer comment on lave le riz. Attendez. Il faut que je fasse. Non, mais. Il faut ranger au fur et à mesure, en fait, Twitch. Il faut ranger au fur et à mesure. Parce qu'autrement, c'est le bordel! Non, pour de vrai, il faut ranger au fur et à mesure. Voilà, je vais laver mon riz. Bah, je vous montre comment on lave du riz. Je suis obligé de vous montrer des trucs vraiment. Bon, bah, on met de la flotte. Voilà. On met de la flotte. Vous voyez? Puis après, on lave le riz. Au bout d'un moment, la flotte, elle devient trouble. D'accord? Tu laves, tu laves, tu laves, tu laves. Voilà, avec tes doigts, comme si t'étais un, tu vois, tu sais, un fouet, mais pas les fouets de Belmonte, un fouet de pâtissier. D'accord? Tu laves ton riz. Voilà, je m'essuie la patte avec mon truc. Je vais vider une première fois. Hop. Je vide. Donc tu peux pas me voir, mais tu me fais confiance. Je suis en train de vider l'eau. Juste en dessous, j'ai ma petite cup pour récupérer les grains de riz qui essaieraient de s'échapper. Hop. Voilà, là j'ai vidé la flotte. Yes. Je remets de la flotte. Ça va être mon deuxième lavage. D'accord? Merde. Chop! Chop! Ça va? C'est mon deuxième lavage. Donc je lave mon riz. Donc voilà, les gens qui lavent pas leur riz, faut vraiment les considérer comme des crasseux. D'accord? Les gens qui lavent trop leur riz jusqu'à temps que l'eau soit claire,
il faut les considérer comme des psychopathes. Et donc alerter, enfin en tout cas en parler à son entourage, quoi. Au moins. Qu'on se retrouve pas dans la situation, ah non mais moi j'ai jamais vu, je pense, enfin ça m'étonne. Hein? Il faut pas le laver entièrement. Eh, mon poulet, il est cuit là ou quoi là? Mon poulet, je suis sûr, il est cuit. Bon, je vide mon affaire et j'arrive. Là, quand j'ai lavé mon riz, je vais donc je vide la flotte et je vais bien vider la flotte. Je vais pas laisser un fond de flotte ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie que hop, le truc soit bien vidé. Parce que c'est mon délire, écoute. Bref, je laisse pas de flotte. Je laisse pas de flotte dans le fond. Voilà. Je vais mettre ça là. Je vais faire ça là. Il n'y a pas de problème. Le riz, donc, hop, on réserve. On met ça de côté. On va peut-être sortir le poulet. En tout cas, jeter un œil au poulet. Hein ? Caméra 2. Caméra 2, c'est quoi ? C'est celle-là, la caméra 2. Caméra 3. Caméra 3, on jette un œil au poulet. Je prends une petite pince. Hop. Je prends une petite assiette. Hop. Ça, nique ta race de là. Voilà. Alors, mon poulet, je le prends, je le sors. C'était du poulet jaune. D'accord ? On va regarder s'il est cuit. S'il n'est pas cuit, je le remets avec son pote. On va regarder ensemble s'il est cuit, Twitch. Je vais prendre un autre schlasse du coup, parce que celui-là, je l'ai utilisé pour du poulet cru. J'ai énormément de couteaux. Voilà. Alors, c'est très brûlant. C'est très brûlant. Pour savoir s'il est cuit, je vais le schlasser. Et puis, je vais voir s'il y a du sang, tout simplement. S'il n'y a pas de sang... Alors là, je dirais qu'il lui faut encore un peu... Il lui faut encore un petit peu de temps. Ouais, ouais. Il lui faut encore quelques minutes. Il lui faut encore quelques minutes. C'est pas grave. On a tout le temps du monde. Je le remets. Je vais mettre ça ici. On est au top. Tac, tac. Du coup... Si Si, si. On va commencer à sortir les wok. Pas ceux qui font en sorte qu'on peut plus rien dire. Non, vraiment, juste... Ouais, c'était... J'avais écrit la blague. Attends, comment j'avais écrit ma blague ? On va sortir les woke. Pas ceux qui nous ont... Mais ceux... Bon, je sais plus exactement. Pas ceux de Twitter. Ah, c'est pas mal, ça. Si quelqu'un n'est pas chié dans mon rice cooker, si j'ai vérifié, JL. Hush, appropriation culturelle avec ce plat. Hush, je vais me faire un t-shirt avec marqué légitime. Mais team comme la plante. Comme l'herbe. Pour dire je cuisine ce que je veux. Est-ce que tu l'as ?
Est-ce Chirac? Évidemment, il faut pas s'interdire de cuisiner les trucs qu'on aime bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, il est où mon wok? Ah, yes! J'ai un wok. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça. Et tu refasses et tu refausses. Ce que je veux faire. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Ou je devrais peut-être attendre que le poulet. Je devrais peut-être attendre que le poulet soit cuit. Juste après la cuisson du poulet, je vais prendre ça. Je vais balancer de l'ail. Je vais balancer de l'huile, déjà. Je vais balancer de l'ail et du gingembre. L'un dedans. Je vais faire psh, 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 psh. Ok? Et ensuite. Vous allez voir. Fond vert assure. Ouais, alors, c'est un style de wok, hein. Mais j'allais pas sortir non plus le. Comment on appelle ça? Pas sortir les trucs, tu sais, genre. Comme un c'est tout fin. Tu vois, avec les flammes qui lèchent le truc, et moi j'ai une louche, et puis. Et je fais danser de la sauce soja. Non! J'ai pas encore ce niveau-là. Ce que j'ai, ça suffit amplement. Oui, chop. Tout à fait, ouais. Marrant que tu l'aies vu. Kika, écoute, Kika, comme je l'ai dit, je l'ai précisé. Non, mais alors attendez. Je sais, bah, vous êtes 200. Merci, pardon. J'ai dit, moi, je cuisine lentement. Pour vous faire patienter. Alors attendez. Écoutez. Hop. Pour vous faire patienter, ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Ah, ah d'accord. Ah, mais non. Ah, ben, je pensais faire un truc, mais au final, non. Je peux vous remontrer le magnéto sur les origines. Les origines du riz poulet façon Hainan. Comme ça me laisse un peu de temps pour checker le poulet, tout ça. Je peux faire ça. Je vais faire ça. Allez, et on se voit juste après. C'est dans l'île province chinoise du Hainan qu'est né ce plat. Voilà, donc, à mon avis, là, le poulet, c'est bon. À mon avis, le poulet, c'est bon. Je pense. Hein. Attendez, je remets la musique. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les origines. Et voyez, là, je peux vous dire, c'est que du poulet. Hein. C'est vraiment que du poulet dans de l'eau. Et pourtant, ça sent déjà bon. Et pourtant, ça sent déjà bon. Bon, après, j'ai pris un poulet jaune. Mais ça sent déjà bon. Voyez le délire? Allez, on va sortir le poulet. Il faut laisser un petit peu, il faut le laisser se reposer un petit peu. Là, je peux voir qu'il est. Ah, je peux voir qu'il est cuit à la manière qu'a la peau de remonter un petit peu, de se retrousser. Vous voyez, il est presque trop cuit, mais il est cuit bien. Il est cuit tranquille. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est juste, voilà, poulet cuit à l'eau. Vous voyez la fumée ou pas? Ma webcam, elle fait la fumée? Enfin, mon portable, parce que c'est mon portable. Il fait la fumée? Je sais pas s'il fait la fumée. Bon, ça, on met de côté. On réserve. On laisse refroidir. Ce qu'il y a là-dedans, l'eau avec laquelle j'ai cuit
Mon poulet, on va. Enfin, c'est maintenant, du coup, c'est plus de l'eau, c'est un bouillon. On va évidemment s'en servir. C'est là la technique. C'est là, là, c'est ici que se situe le délire. Avec les petites traces. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il faut qu'il y ait les petites taches. Il faut qu'il y ait les petites taches de gras au-dessus. Voyez ou pas? Il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait les petites taches de gras au-dessus parce que c'est exactement ce dont on va avoir besoin. Il va nous falloir le gras de cette cuisson. Hop. Donc, mais on en était au riz, je crois. C'est ça? Hein, c'est ça? Yes! Je vais. Je vais commencer. Je vais prendre ça. Je vais mettre de l'huile. Je vais faire chauffer. Je vais jeter du. Je vais jeter de l'ail et du gingembre dedans. Laissez-moi juste checker les quantités. Évidemment, j'ai mon petit. Eh ben, j'ai le petit truc, hein. Donc, c'est quoi ça? Oui. D'accord. Et deux ail. C'est où mon ail? D'accord. Oui, bah oui. Oui. Oh, est-ce que j'en aurai assez? Oh. Ah. Ah, je vais devoir refaire de l'ail. Oh, fais chier. Je vais devoir refaire de l'ail. Mais parce que là, bonne manière, là il en faut. Hein. Là il en faut. C'est pas grave, là le poulet est refroidi. Hop, tu sais quoi? Je vais refaire de l'ail au moment où je ferai la sauce. Je le sors là. Je vais d'abord faire le riz. C'est pour ça que ça prend 3 quarts d'heure et quoi. Je le sors là. Je vais d'abord faire le wok. Allez. Donc. Le délire est simple. Tu prends ça. Tu prends de l'huile. Hop. Tu augmentes la température. Tu mets de l'huile. T'attends que ça chauffe. Je vais prendre une cuillère en spatule en bois. Nickel. Tac, tac. Je vais faire chauffer donc de l'ail et du gingembre dans de l'huile pour développer les arômes. D'accord? Et pour apporter un petit côté croustillance à quelque chose. Il n'y avait rien du tout. Mot hiver. Il y avait que le poulet jaune dans de l'eau. Pour l'instant, c'est que ça. Pour l'instant, c'est que ça. Il y a des variantes dans lesquelles on va mettre un oignon, mais autrement, c'est que ça. Gras du poulet plus huile, voilà le plat diététique. Mais figure-toi, Von, que. Alors là, j'ai rajouté de l'huile pour le gingembre et l'ail. Mais autrement, t'as vu, le poulet, on l'a fait cuire à l'eau, quoi. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est le principe. Et c'est le principe de. Enfin, je veux dire, les gens qui cuisinent sans huile ou sans beurre ou truc, eh, ça se sent que c'est pas bon. Pardon, hein, pardon. En attendant, donc, je fais chauffer ça. Est-ce que ça chauffe là? Ouais, ça chauffe vite. C'est ça le délire. Ouais, oula. C'est que ça chauffe vite. Donc, comme je vous le disais, la cuisine, ça se fait aussi avec les oreilles. Là, j'ai pas les miennes. C'est pas grave. Voilà.
Bateige. Oh là là, ça sent déjà... ça sent déjà quelque chose. Ça sent déjà quelque chose. Donc, faut faire gaffe avec les wok parce que les trucs chauffent vite, quoi. Les trucs chauffent vite, quoi. Ça, je vais mettre de côté pour la sauce. Je pense qu'il me faudra encore plus d'ail. Hop. Donc là, je commence à sentir... Ouais. Oh, putain. Là, je commence à sentir le gingembre et l'ail ensemble dans de l'huile. Il va y avoir du parfum. Il va y avoir du parfum. Je vais prendre une Maryse. Je prends une Maryse. T'as une Maryse, toi? Ouais, j'ai une Maryse. Je prends une Maryse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quelque chose de complètement crazy. Je vais prendre mon riz, qui n'est pas encore cuit, hein, qui est juste lavé. Et je vais le jeter dans ce wok. Je vais prendre mon riz, je vais le jeter dans ce wok. Je vais mettre une petite pointe. Je vais mettre une petite pointe. Vifée, une petite pointe de sauce huître. D'accord. Je vais mettre une petite pointe de sauce huître pour la couleur, pour le délire. Mais voilà. Basiquement, je prends mon riz. Cru, hein. Juste lavé. Je le jette dedans. Je vais le faire, je vais le laisser genre pendant... Hey, 2 minutes, genre 2 minutes max. Vous voyez le délire? Pour les gens qui sont un peu, qui connaissent... Ah ouais, je vois, technique du riz pilaf. Je sais pas quoi. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Voilà. Voilà. Ça va être bien, ça. Hop. Juste histoire qui, voilà, qui prenne une... petite couleur, que ça développe un petit peu quelques arômes. On va mettre un peu plus fort. Voilà. Yes. Sauce huître. Faut pas bombarder de sauce huître. Tu mets... Voilà. C'est pour le goût. Alors, je vais retirer le casque vite fait pour écouter. Yes. Vous entendez, vous, les bruits de cuisson ou pas, hein? Je vous pose la question, je suis pas devant le chat. Hein. Vous entendez? Ah, c'est hyper flou. C'est peut-être c'est la webcam. C'est la webcam de mon portable. Un mise au point. Ah, je suis désolé, je sais pas vraiment comment régler ça. Je sais pas vraiment comment régler ça. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Pour les prochaines Twitch, sera encore plus tight. Ouais, ça s'entend quand même. Ça sent bon. Ça sent bon, putain. C'est ça, ça ressemble à ça. Alors, c'est flou, pardon. Voilà. Je pense que... on est bien. On va verser, donc, le riz dans le truc de rice cooker.
Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y. On va manger sur les coups de 15h, 15h30. C'est pour le goûter, quoi. Voilà, ça plonge. Ça, on réserve. À la toute base, c'est chinois. Ça vient de l'île de Hainan. Mais c'est une recette qui, là, en l'occurrence, c'est la version thaï que je vous fais. Voilà. Ne dit-on pas, effectivement, Blazounet. Voilà. On a notre riz. D'accord. Et là, ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est assez wicked. C'est que plutôt que de mettre de l'eau et ensuite d'appuyer sur start sur l'autocuiseur, on va mettre du bouillon. En prenant soin quand même de choper un peu le gras qu'il y a au-dessus. Le gras du poulet. Si, si. Hop. Donc, tout à l'heure, j'ai mis 2 cups de riz. En temps normal, tu fais 2 cups de riz, bah, l'équivalent en eau, quoi. 2 cups en eau, puis tu fermes. Mais bon, là, je vais prendre. Là, on va y aller à la louche. Alors, hop, je prends soin de choper le dessus. Yes. Yes. Merde. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Voilà. Vous n'êtes même pas encore au courant. Donc, de manière générale, si on n'a pas les cups ou les trucs comme ça, on ne sait pas combien d'eau on doit mettre dans un rice cooker. La technique, c'est tu mets de l'eau jusqu'à temps qu'elle soit au-dessus du riz, évidemment. Et il faut qu'entre la surface de l'eau et le riz, que quand il est bien aplati de manière homogène et tout, entre la surface de l'eau et le moment où tu touches le riz, faut qu'il y ait une phalange. D'accord? Une phalange. Là, je vais pas le faire parce que autrement, je me brûle. Mais le principe, c'est voilà, c'est une phalange. Tu mets ton doigt dans le truc. Voilà, à partir du moment où tu touches le riz, si l'eau elle arrive ici, c'est bon. Voilà. Voilà. Oui, messieurs. Une fin. C'est moi aussi, c'est mon moyen mnémotechnique. D'accord? C'est facile à retenir. C'est comme. Hey. Une phalange. Ok, donc, mais là, c'est pas le. Là, je suis pas dans cette configuration. Je suis dans la configuration où je dois remplir à la louche. En sachant aussi que je remplis avec du bouillon, l'eau est chaude. Donc, je vais en mettre un tout petit peu moins que j'en mettrais si l'eau était froide. C'est vraiment de visu. De visu. Allez, encore un tout petit peu. Non, encore un peu quand même. Voilà. Voilà. Et là,
Écoutez, j'ai le sentiment qu'on n'est pas trop mal. J'ai le sentiment qu'on n'est pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher mon rice cooker. Je vais ranger l'huile. C'est ça le truc, Twitch. C'est, il faut faire la cuisine, c'est comme faire du sexe. Quand t'as fini, il faut ranger. Alors, je range l'huile dans mon tiroir. Ah, faut que je vous montre ça, putain. Comment je peux vous montrer ça? J'ai un tiroir bah, chinois. Alors, regardez. Hop. Voilà. Ça, c'est mon tiroir. Vous voyez? J'ouvre. Il y a le... y a tout. Le sriracha, le... Bon. Voilà. Et c'est pour ranger. Pour ranger les sauces. Ah, et on va avoir besoin de cette sauce bientôt. Tao Voilà. Mais vous verrez quand. Hop. Je recadre. Je recadre. Voilà. Tout va bien pour l'instant? La cam téléphone ne fait pas le point. Oui, j'ai compris, South Blue. Je sais pas vraiment comment faire là tout de suite, mais c'est le genre de truc auquel je ferai attention la prochaine fois. Des poches de luxe. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste, c'est une cuisine très intelligente. Après avoir coupé l'ail, pense, tu le mets avec le gingembre, mais mets le replay sinon. Mets le replay. Donc, je vais brancher mon rice cooker. Je branche mon rice cooker. Je le branche. Il est branché. Et c'est ça qui est pratique avec le rice cooker, c'est que tu prends ton truc. Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir mis assez de bouillon? J'ai peur. Je suis vraiment de nature très, très peureuse. Je vais en mettre un tout petit peu encore. Parce que si c'est s'il y a trop de bouillon, c'est pas cool, quoi. Vous voyez? Après, ça fait un peu sec. Bon, vas-y, arrête d'énerver tout le monde, Médoc. Mets ton riz, ferme, appuie sur start. Voilà, c'est bon. Là, on en a pour quelques minutes. On va profiter de ces minutes pour faire autre chose. On va. Salut Xélaphonique. On est en train de faire le riz poulet façon Hainan. C'est la mission que je me suis lancé. Le poulet, il est en train de refroidir. D'accord? Poulet cuit à l'eau, il est en train de refroidir. Le riz, on vient de le passer au wok. Ail, gingembre. Bouillon de poulet dessus. Il est en train de cuire dans le rice cooker. Donc maintenant, on va faire la sauce. On va faire la sauce. Ben, on y va. Alors, on va prendre ça. Mortier. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Je suis d'origine thaï. Non, mais j'ai plein de liens avec la Thaïlande, xélophonique. Rick et Mortier, c'est très bon ça, Dracarys. Appelle la police, man. Si je tire avec, c'est clair que j'ai des problèmes. Ça part en potion craft. Ok, alors. Pour faire la sauce, je vais avoir besoin de piment. Est-ce que j'ai des piments? Je vais regarder si j'ai des piments.
Si j'en ai pas, toute ma recette, elle tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh oui. Oh oui, ça c'est du piment, ça. Hop. C'est bon. J'ai des piments. Voilà, je vais en prendre deux. Je vais prendre deux piments. Et piments rouges. C'est ceux qui piquent, hein, quand même. Ah, sur l'échelle de Scoville, on est à beaucoup. Hein. On est à beaucoup. Donc, hop, évidemment au congélateur, parce qu'un piment, ça pose pas de problème quand c'est congelé. J'ai presque envie de dire au contraire. Un piment, quand c'est congelé, c'est mieux, quoi. Tu vois? Non, Kika, c'est pas, on n'est pas sur du piment doux, là. Hop, je vais en prendre deux rouges. Voilà. Je prends deux piments rouges. Juste après, je me gratte les couilles. Après, vous faites un clip. Non, l'avantage quand ils sont comme ça, c'est que ça va, ils vont payer. Tu peux encore les manipuler, tu vois. Hop. Hop. Je range mes piments. Je retire ça parce que je le mange pas. Je vais le couper. Ouais, et puis quand c'est congelé, vous voyez, ça s'écrase pas, il n'y a pas des pépins qui vont dans tous les sens. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Hop, je mets les coups de schlasse et je les jette dedans. Hop. Je viens de mettre mes deux piments. Je vais me laver les pattes. Je me lave les pattes. Ah merde, j'ai oublié de laver la coriandre. Putain. Chut. Bon, c'est pas grave. Je me suis avec mon torchon. Et je reprends. Alors attends, c'est quoi? Voilà, deux piments, du ginger. Ah, je dois refaire de l'ail. Ouais, hey, je dois refaire de l'ail là. Je dois refaire de l'ail. C'est pas grave, j'ai toujours ma planche à découper d'ail. J'ai toujours ma planche à découper d'ail. Je vais me refaire de l'ail. Tac. Tac. Je retire la peau. Et puis après, on le découpe pareil. De manière, ça sera pour être pilonné. Alors, pas pilonné, genre pilonné, pilonné. Mais pilonné quand même. Ce stream est à la fois drôle et touchant. Ah bon? C'est-à-dire. Tortichat. Tortichat. C'est-à-dire que je fais de la peine. Je suis attendrissant parce que je me débrouille mal. Miskin cuisine. Écoutez, on fait avec la cuisine. Vous voulez que je vous dise, Twitch? La cuisine, en vrai, c'est dans le cœur. Tu peux cuisiner n'importe quoi. Si tu cuisines avec le cœur, ça sera peut-être pas bon, quoi. Mais bon. T'as compris. Ah
Bah, j'ai dit que je mettais du temps à cuisiner. Hein. Pardon. Hein. Bah, après, il faut aussi faire preuve un peu de patience. La cuisine, c'est aussi la patience. Hop. On va couper ça. Voilà, en gros. Hein. Je sais même pas pourquoi je les coupe. Voilà. Vas-y, vas-y, on s'en fout. Vas-y. On met ça, on met l'ail. Bim. Bim, dans le mortier. Voilà. Ce qu'on met également dans le mortier. Donc, je termine de mettre mon ail. On va mettre le gingembre qui nous reste. On le fout. Ça, plonge. Ça, on garde. On a du piment, de l'ail et du gingembre. Est-ce que c'est pas le moment de rajouter, t'sais, une ou deux branches de coriandre? Je pense que si. Je pense que si. Donc je vais prendre ça. Je prends juste deux branches. Je vais les laver taf taf. Voilà. Je vais les laver taf taf. Voilà. Voilà. Et puis je vais les mettre dedans un petit peu à la Nick le style. Ok. Now, je vais remettre mon mouchoir dans ma poche. C'est vrai que c'était un bon endroit. Ok. Oui, c'est du vrai piment. C'est du vrai piment. Hop. Et donc, c'est parti. Là, on va pilonner. On pilonne. Là, tu pilonnes. Tu pilonnes, tu pilonnes. Et tu sens, tu commences à sentir, waouh, putain, tous ces végétaux là, toutes ces racines, tous ces végétaux qui développent une. Salut Samarob. On est en train de faire du riz poulet façon Hainan. On pilonne un peu, mais on ne veut pas non plus obtenir une pâte. Hein. Voilà, c'est comme Potion Craft. Exactement. Voilà. Ce qu'on a envie surtout, c'est évidemment d'écraser les piments. Faut qu'il y ait les graines qui développent leur puissance de Scoville. Voyez? C'est ça qu'on a envie de voir. Tout cas, ça sent très bon. Merci, Shinjo. Ah ouais, toi, tu as la technologie. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui... Voilà. On a fini. Enfin, on a fini. On a fini de pilonner. Je vais me laver les doigts. Parce qu'autrement, si je me touche les yeux ou encore une fois les parties génitales, ça va pas le faire. Hop. Il est quelle heure? Putain, attends, il est 3 heures là? Mais j'ai pas commencé à midi et quelques. Ah non, on n'a pas, j'ai pas changé d'heure. Ah, j'ai pas changé d'heure.
Tiens, regarde. Hop. Voilà, toi, j'ai pilé vite à fin. Oh, non, je devrais plus piler en fait. Parce que je me rends compte en voyant dans la webcam. Je vais beaucoup plus piler. Là, c'est pas suffisamment pilé. Parce que j'avais peur en fait de faire trop de bruit, tu vois, ou de paraître trop brusque. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Maintenant, c'est vraiment la partie la plus intéressante du truc parce que là, vous dites, ok, il a fait le riz, le poulet, bon, d'accord. Non, tout réside dans ce plat-là, tout réside dans la sauce. Tout réside dans la sauce. D'accord? C'est là où, malheureusement, soit tu es équipé des trucs dont il faut être équipé, soit... non. Quand tu piles aussi. Merci, Samara. Voilà. Et évidemment, c'est la sauce. Évidemment. Donc, je sors... Alors... On va prendre, dans un premier temps, la sauce Taotio. Donc, en fait, voilà. Ça se présente comme ça. C'est un peu pâteux. Parce que, tout simplement, c'est de la pâte de truc de soja. Un petit peu fermenté, c'est très salé. C'est ça le principe. C'est ça. Voilà. On est d'accord, c'est bon? Donc, c'est celle-là qui est salée. On va en mettre 3 cuillères. Attends, ma recette, c'est quoi? 3 cuillères à soupe. Yes. C'est parti. C'est le genre de truc. Alors, c'est clair hein, que les sauces, tu les trouves pas partout. Nanani, nanana. Mais ce qui est intéressant avec certaines sauces et certains condiments asiatiques, c'est que c'est des trucs qui peuvent se garder. Mais tu sais, genre Zion. Là, par exemple, ça fait tellement longtemps que je l'ai que j'arrive plus à ouvrir le bouchon. Ben non, mais c'est juste ça casse les couilles, quoi. Parce que si je peux pas l'ouvrir. Ok, nice. J'ai ouvert. 3 cuillères à soupe. Vas-y, cousin. Vas-y, cousin. Vous voyez, ben non, mais c'est la consistance, quoi. Non, mais je m'y prends pas du tout bien. Attends, Médoc, 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 Médoc. Vas-y. Voilà. Une. À peu près deux. À peu près trois. Un petit peu. Ouah! J'ai pas fait dans mon mortier. Je vous rassure. Voilà. Ensuite, on va se prendre de la black soy sauce. C'est de la soy sauce, mais tu vois, avec un peu de, petit peu de R&B quoi. Soy sauce, mais plus Wu-Tang, Wu-Tang. Non, pas du tout. C'est différent de la sauce soja toute seule. Ça, c'est de la black soy sauce. Alors, ça non plus, hein, ça se trouve pas partout. Ça non plus, ça se trouve pas partout. C'est censé être un petit peu sucré.
C'est censé être un petit peu sucré, mais bon, bah, c'est important d'avoir ça, quoi. C'est de la sauce soja noire, en règle générale. Voilà. Mais vous pouvez peut-être trouver de la sauce soja noire, mais salée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, pas ça, je vais en mettre une cuillère. Une cuillère à soupe. Pareil, je suis un idiot. Je devrais me changer de main. Voilà. Donc là, j'avais mis une demi-cuillère. Là, je mets l'autre demi. Faut faire au feeling. Et enfin, de la sauce soja normale. Liquide, fluide. Ok? Sauce soja sucrée, une hérésie. Non, Kazar, je te parle pas. C'est pas la sauce que tu mets sur les trucs teriyaki dans les restaurants japonais en France. Hein. C'est pas cette sauce-là. Faites pas, de manière générale, faites pas les puristes avec WAM hein, sur la cuisine asiatique. J'ai grandi le. Ouais. Faites pas les puristes avec WAM. Faites pas les puristes avec WAM. J'ai un vrai nom en chinois. D'accord? Faites pas les dingues. Faites vraiment pas les dingues. Bien. Asian Blaze. Je fais peur quand je suis flou. Je suis désolé pour le flou. Je suis désolé tout le monde pour le flou. Anyways, ça sera réglé la prochaine fois. Je vais rajouter ma sauce soja normale, soy sauce soja. Soy sauce soja. D'accord? Pareil, je vais mettre une petite cuillère, comme ça. Bim. Bim. Voilà. Now. Je vais rajouter un petit peu de sucre. Je vais rajouter du sucre. Alors, pour le sucre, en règle générale, enfin en règle générale, dans plein de plats, les Thaïs vont utiliser du sucre de palme. J'en ai, mais il faut que je le concasse. C'est un petit peu casse-couille. Je vais prendre du sucre normal. Mais autrement, si vous voulez, après le sucre de palme aussi, il y a les problèmes au niveau à la fois des orang-outans et au niveau de la santé. Mais autrement, non, c'est pas ça. Il est où mon sucre de palme? Que je vous montre à quoi ça ressemble. Yes. Oh, à la limite, je peux le prendre. Ok. Je vais en mettre pareil, l'équivalent d'une cuillère de quelque chose. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça, je vais concasser un petit peu. Voilà, je vais concasser un petit peu. Ah, j'aurais pas dû le faire fondre d'abord. Ah, ouais, j'ai peut-être fait une bêtise. Peut-être fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai peut-être fait une bêtise. Le poulet, Kika, il est là. Il arrive. T'inquiète pas, il est en train de refroidir là. Faut toujours laisser la viande se reposer un petit peu. Non, le riz, il n'est pas encore cuit et le poulet, il se mange à température ambiante. Il faut, avant de parler, Twitch, il faut. Enfin, Twitch. Vaughn. Il faut connaître les trucs, hein. Le poulet se mange à température ambiante. Tout à fait. Allez, je vais concasser vite fait pour le sucre de palme.
Ah, oui, c'est ce que tu dis, ça refroidit. Alors le riz, non. Le riz, non. Il est toujours en train de cuire. Et le riz sera mangé chaud. Oui, Métalis. C'est une vanne qui est acceptée. Attends, pense, c'est pas tout, j'ai pas terminé. Attends, pense, c'est pas terminé. Voilà, laissez-moi juste piler un petit peu le sucre de palme. Nice. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de citron vert quand même. Alors, il y a plein de recettes dans lesquelles on va préférer rajouter du... Enfin, il y a des gens qui préfèrent rajouter du vinaigre. D'ailleurs, dans celle-là, je crois même que c'est du vinaigre qui est plutôt conseillé. Enfin, qui est indiqué. Mais voilà, si vous voulez de l'acide, c'est pour l'acide, c'est pour le côté acide. Si vous voulez l'acide, de manière générale, faut opter pour ça. Faut opter pour ça. C'est le meilleur acide que tu puisses trouver, quel que soit le délire. Voilà. Donc on va mettre du citron vert. On va en mettre de manière à ce que ça soit acide et en même temps fraîche et en même temps citron vert quoi. Tu vas voir Kika que après ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite juste après. Le plus long, c'est ce que je suis en train de faire. C'était la sauce. Voilà. On gâche pas le citron, évidemment. Petite technique. Enfin, petite technique, petit tips. Vous pouvez garder ça comme ça, même si au bout d'un moment, ça, c'est tout sec et tout bizarre et tout. Suffit de le chlasser juste en dessous, il y a encore du citron vert. Hein. Il faut pas gâcher. Il faut pas gâcher. Now, maintenant qu'on a fait ça, on va mélanger. D'accord? Avec une cuillère. Tranquille. On n'est plus là pour piler. On a envie qu'il y ait des grumeaux. On a envie qu'il y ait des... On n'a pas envie que ce soit une pâte homogène. Vous avez bien compris ça. Là, c'est la base de notre sauce. En partant de cette base-là, on va voir si on rajoute un petit peu de flotte. Vous voyez, parce qu'il se peut que ça soit très, 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 très fort en goût. On va voir si on rajoute un petit peu de flotte. Donc, je goûte. Ça pique. C'est comme ça. C'est comme je viens de faire qu'il faut faire. C'est comme je viens de faire qu'il faut faire. La même quantité, les mêmes gestes. C'est ça. Voilà. On mélange. Hein. On mélange. On a envie que le piquant, il soit partout. Hein. Oh, con. Donc, on a cette sauce. On va la mettre dans une petite coupelle. Ça brûle les yeux. Ah, pense, c'est de la cuisine piquée, hein, piquante. Hein. Et piquée, en l'occurrence, celle-là. La famille de ma compagne. Hop. Hop. Une fois qu'on a la sauce, je jette un coup d'œil. Le riz n'est toujours pas cuit. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Voilà. C'est tellement lourd un mortier. Ça fait les muscles. Hein. Ça fait beaucoup de muscles. Yes. Ça plonge.
Ça, petit coup de sopalin. Hop. Hop. Voilà, on a notre sauce. Elle est là. Elle est là, la sauce. Maintenant, c'est pas un dessert, Kika. Elle est là, la sauce. Elle a la tête et la consistance qu'elle doit avoir. Ça ressemble à ça. C'est ça. Ah, tu ne trouves pas à LB Fromager sur Uber Eats? Non, on n'a pas encore lancé le truc avec mon grenier. Dracarys, c'est là. Dracarys, tu me fais honte. Dracarys, je sais pas quelles sont tes origines, mais si on en a en commun, du coup maintenant j'ai un problème avec. Le riz, il devrait être cuit d'ici quelques minutes. Ça veut dire d'ici quelques minutes, on mange. Parce que quand le riz est cuit, on mange. C'est un proverbe. Donc, avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va se préparer un petit concombre. Hein? On se prépare un petit concombre, histoire d'avoir de quoi couper. Et on fait le bouillon. Et ensuite, on est good to go. Donc, concombre. On prend un concombre. Voilà. Bon. Hop, ça, on met de côté. Concombre, on coupe. Donc il y a du plastique. Hein. C'est pas grave. Je vais couper là. Voilà. Ça, on peut remettre au frigo. Hop. Le concombre, on va. Ah ouais, je vais d'abord le. Ouais. On va d'abord retirer le plastique. Tagine frite. Je vais le laver un petit peu parce que on n'est pas des gros dégueulasses ici. Et surtout parce que je vais laisser la peau. Je suis genre de personne. Hop, on va juste prendre vif fait pour juste pour la partie esthétique. On va prendre ça, on va faire comme as, tu vois. Hop. Hop. Tu vois le délire. Voilà, c'est juste. Voilà, on veut pas faire de zèle, mais en même temps, voilà. On n'est pas, voilà, on n'est pas des gros mangeurs, mais on sait ce qui est bon, quoi. Non, voilà, les yeux, bah voilà, non, mais c'est voilà, c'est 50% de. 50% du délire, quoi. Hop. Et donc, l'idée, c'est assez simple. En vrai, c'est juste, tu coupes comme as. C'est tout. Voilà. Hop. 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 Moi, j'ai mis beaucoup de concombres. Parce que j'adore ça. Et parce que vous allez voir que c'est vraiment vital. De couper avec. Quand je dis couper, vous allez comprendre. Voilà, ça sera suffisant en vrai. Ça, je vais mettre de côté. Je mangerai avec un autre. Et on va commencer en fait à dresser carrément Twitch. Je vais me prendre une assiette. Vais mettre ça comme ça. Yes. Ah non, il y a encore une grosse étape qu'on doit faire. On a fait notre concombre, tranquille. Maintenant, on va faire le poulet. Eh ouais, on va pas manger des cuisses de poulet comme dans Astérix. Eh ben non. Non, non. Donc, ce que je vais faire, je vais laver vite fait cette planche. Je l'ai utilisée pour mon poulet quand il était cru. Je vais la laver vite fait pour mettre le poulet cuit dessus. Parce que du coup, on va devoir sortir la miss, la madame. C'est essayer de lui trouver un nom en attendant. Mais c'est un truc qui coupe, quoi.
Enfin, qui fait plus que couper. Hop. Je lave ma planche. C'est important, Twitch. Il faut pas laisser de trucs crus. Je sais pas quoi. Trop longtemps quelque part, quoi. C'est ça que je voulais dire. Hop. Je rince. Voilà, c'est rincé. Je sèche avec mon chiffon de poche. Allez, dans 10 minutes, on est bien. Dans 10 minutes, on est bien. Eh, vous plaignez pas, hein. Déjà, je me suis levé un dimanche. On est dimanche, hein, je vous rappelle. Je me suis levé tôt, hein, pour faire tout ça. Hein. Donc, on attend. On dirait que je parle à mes enfants. Mais papa, on a faim, quand est-ce qu'on mange? On attend. Papa cuisine. On attend. Ça arrive. On va prendre le poulet. Hop. Et on sort la madame. Hop. Voilà. Donc là, carrément, t'es dans un battle royal. T'es dans un battle royal. Voilà. Et alors, l'idée, ça va être de chlasser le poulet. Alors, évidemment, bon, à la jointure, mais ça, bon, à la limite, c'est plutôt easy. Mais à partir de la jointure, hop, 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 chlasser, en fait, en... Voilà, on va mettre un coup ici, je pense. Un truc genre là, bim. Et ça, on va le couper en 3 et ça devrait le faire. Un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Ok. Ça va faire du bruit, Twitch. Ça va faire du bruit, ça va faire trembler des trucs. L'idée, c'est d'essayer un maximum d'éviter les petits bouts d'os, même si, bon, ben, ça va être difficile de... Voilà. Oui, il est cuit, le poulet, Dracarys. Il est cuit. Allez. 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 J'y vais, hein. Là, j'y vais, là. Ah, j'imagine, on est dans The Walking Dead, il y a quelqu'un qui vient de se faire mordre la patte. Je m'en occupe, je m'en occupe. Bon, j'ai pas fait exactement là où là où j'aurais aimé faire. C'est pas grave. Yes. Hop. Et là, on va essayer de le faire en 3, donc. Ouais, je vise pas très bien. Je suis désolé. Ok. Yes. Ouais, ça ira. Ça ira, ça ira. Voilà. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va reconstituer le truc, ça va aller. Voilà, c'est coupé, c'est coupé. Donc, le riz est cuit. On va passer au dressing. On va passer au dressing. Donc, bah, je vous laisse, je vais m'habiller. Parce que dressing, en fait, il y a... Tu l'as, fan 2? C'est bon? Ok, parfait.
On place le poulet, on place le riz. Ah non, on va faire le bouillon, vite fait. Hop. Désolé pour le flou, désolé. Voilà. Oh, dis donc, Médoc, c'est flou, j'ai l'impression. Ah bon? Bah, désolé. Le bouillon, c'est assez simple en fait. On va prendre ce qu'il y a dans la casserole, qui est normalement pas très. Qui, déjà, qui est encore chaud. Et normalement, qui est pas très salé. C'est le principe. C'est vraiment le principe. Hop. Il faut pas que ça soit trop salé. Voyez, ça ressemble à. C'est rien, ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut pas que ça soit trop salé. Parce que ça, à l'instar du concombre, ça va. Ça va nous aider à couper un peu. Parce que si vous avez fait la sauce en même temps que moi jusqu'à maintenant et que vous l'avez goûtée, vous vous êtes rendu compte que, y avait du goût. Il y avait du goût. Je vais juste prendre une petite branche de coriandre. Hop, je la rince. Allez, mademoiselle. Madame, pardon, pardon, pardon. On est en 2021, merde. Hop. Je la casse. Je la jette dans mon bouillon. Alors, encore une fois, le truc n'est pas salé. Si vraiment vous avez du mal avec les trucs pas salés, vous pouvez. Attendez, laissez-moi. Où est-ce que j'ai mis ça, putain? Ben ouais, mais si on me. Ah, voilà. Au choix, vous pouvez mettre 2-3 gouttes de sauce poisson ou 2-3 gouttes de magie. Voilà, 2-3 gouttes de magie. Ça marche très bien. Dans le bouillon. Voilà. 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 Pour les gens qui ont vraiment beaucoup de mal avec les choses qui sont pas salées. Moi, ça va. C'était juste pour vous montrer. J'en ai peut-être mis trop. C'est pas grave. On va dresser. Vas-y. On dresse. Donc, on essaie de reconstituer le poulet. La cuisse de poulet. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Il y a un petit morceau. Ouais, c'est cuit. Heureusement, t'imagines. On va faire ça. Ça, du coup, plonge. Ça, comme ça. Ça, comme ça. On va prendre le riz. Alors, je vais essayer de faire ça un peu. Bon, ben. Voilà, dès que je retrouve mes petits bols. Yes. Faire ça un peu façon. Donc, le riz. Hop. Ça, il ressemble à ça. Ok? En règle générale, quand on a fini de rice cooker un riz, on mélange tout. On mélange parce que. Autrement, ça se fait happe pour les gens qui ont que le fond, les gens qui ont que le dessus, parce que c'est pas complètement, vous voyez, homogène, homogène. Donc on mélange. Yes. Ah, ça sent les odeurs. Ça sent les odeurs. On prend le riz, je le mets dans mon bol. Je le mets dans mon bol. Vous voyez, comme ça. Hop. Ah, je l'ai mis dans mon bol. Voilà. J'aplatis, je remplis bien. Je remplis bien le délire. Hop. Et je vais le mettre comme ça. Yes. Ça, on range. Ça, dans la poche. Ça, ce sera pour, pour mes amis imaginaires. Voilà. Ah merde, j'ai fait tomber. Ah bah j'ai fait une bêtise. Vous voyez?
Ben voilà, faut nettoyer. Voilà. Donc, ça se mange avec une cuillère. Yes. Yes. Ça. Voilà. Bon, là, il est un tout petit peu trop cuit le poulet, c'est pour ça la peau elle part en sucette. Mais ça, bouillon, sauce. C'est le riz poulet façon Hainan. Sauce thaïlandaise. C'est ça. Pour s'en convaincre, on prend un peu. Alors voilà comment ça se mange. Déjà, je goûte le bouillon. Oh, il aurait mérité d'être un peu réchauffé, mais il est bon. Le bouillon, vous pouvez le réchauffer. Vous pouvez le réchauffer. Le poulet se mange à température ambiante. Le riz vient juste de sortir, il est brûlant. Donc voilà. C'est simple, après, c'est simple. Tu prends ça. Voilà. Hop, tu peux un peu. Voilà, parce que moi j'aime bien. Mais c'est avant tout pour mettre sur le poulet. Pourquoi? Enfin, moi j'aime bien le mettre sur le poulet. Tu peux te contenter de prendre le poulet et de le tremper là-dedans. Mais pourquoi c'est avec le poulet? Parce que justement, le délire, c'est que le poulet, il est cuit à l'eau. Donc il a que un goût de poulet cuit à l'eau. Mais avec ça, c'est un autre chose. C'est un autre monde. Donc maintenant, on va goûter. Maintenant, on va goûter. Donc déjà, je goûte le riz un peu seul tout. Vous voyez, on sent qu'il est pas, il est moins, comment dire, il s'agglomère moins que du riz thaï que tu ferais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On est presque sur de l'agglomération de riz Oncle Ben's. Même c'est dégueulasse hein, les riz Oncle Ben's. Mais en termes de riz qui se colle, on est ah non, ça colle pas. Ça colle pas, mais par contre, putain, qu'est-ce que ça a du goût? Et vu que ça a énormément de goût, on a tout de suite envie de faire ça. Le poulet maintenant. Là, faut y aller avec les pinces, hein. Faut y aller avec les pinces. Voyez, je le tiens par l'os. Alors, tu as des endroits où c'est complètement désossé ou des endroits où on va te faire de la poitrine plutôt. La poitrine du poulet. D'accord? De manière à pas avoir d'os. C'est vrai que c'est plus agréable, mais c'est pas le même type de chair. Non. C'est trop bon, c'est trop bon. Chien. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça pique comme il faut. C'est aillé comme il faut. Tu sens le gingembre. La fraîcheur, ta fraîcheur. Tu vois, coriandre qui vient, gingembre. Ils sont là. Imaginez un Sentai. D'accord? Coriandre, gingembre. Ouais! Vite, on va retrouver. Aïe! Et après, ça fait la bagarre dans un gros robot, quoi. Oh, je ferai autre chose à Mikaï, ça.
Big the Big. Le bouillon, c'est vraiment... c'est comme les concombres. C'est pour couper. Est-ce que c'est pénible de réussir tout ce que j'entreprends, Walter Room? C'est clair que ça a des... parfois, ça a des inconvénients. Mais de manière générale, c'est plutôt le contraire. Je vais prendre ça, je vais manger ça. Oh putain. Putain, j'avais les crocs en fait. Merde. Merde. C'est bon, putain. Pardon. Je suis en train de manger. C'est bon. Il y a tout. Il y a tout dedans. Ah, pardon, j'ai éclaté le plat. Du coup, il est plus très joli. Il est plus très joli. Mais voilà, c'était ça. Twitch. Vas-y, on peut passer. Si tu veux, on passe à la. On passe à la rubrique. Comment on appelle ça? Les questions. La rubrique les questions. Alors. J'ai vu sur le Discord ou même sur le chat des questions de type Médoc, si j'ai pas tel ou tel ingrédient, est-ce que je peux remplacer par tel ou tel autre ingrédient? Genre, si j'ai pas de citron vert, est-ce que je peux mettre du citron jaune? La réponse est bien évidemment oui, évidemment, évidemment. Mais ça aura pas le même goût. J'ai vu également pour les sauces, vous savez, c'est un peu... Bon ben voilà, faut 7 sauces, 7 sauces, 7 sauces, 7 sauces. Et donc, il y a des gens qui seraient tentés de dire, bon ben, est-ce que ta sauce soja noire un peu sucrée thaï, est-ce qu'on peut remplacer ça par de la sauce teriyaki, par exemple, ou Suzy One, ou quelque chose comme ça? Bien sûr que vous pouvez faire ça. Mais ça n'aura pas le même goût. Pareil pour... voilà, bon ben, j'ai pas de... J'ai pas de... Je sais pas, j'ai pas d'ail. Est-ce que je peux mettre des oignons? Pardon, parce que, en fait, je me mouche parce que ça pique. Et du coup, j'ai le nez qui coule. Donc ouais, j'ai pas d'ail. Est-ce que je peux mettre des oignons à la place? Bien sûr. Bien sûr. Mais ça aura pas le même goût. T'as pas de poulet, Kaza? Pas de sauce et pas de riz. Tu peux remplacer le poulet par du bœuf, la sauce par une vinaigrette et le riz par des pâtes, mais ça aura pas le même goût. Comment... Vas-y, Tromon. Tromon, t'as oublié qu'on s'était déjà croisé. Tu crois que je... Je me souviens pas de quoi à quoi tu ressembles. Qu'est-ce que c'est ces mots qui sortent de ta bouche là? Parle correct! Parle correct! c'est un petit mec qui fait pas de bruit. Et là, il fait des gros mots sur le chat. Qu'est-ce que tu veux, Tromon? On va lui laver la bouche au piment. Et congeler pour de futurs repas, comme l'écrasante majorité des plats, Portafion. Il y a certains plats, il y a certains légumes qui sont pas très contents quand tu les congèles et que tu les décongèles, mais autrement, comme n'importe quel plat, bien sûr, tu congèles, tu refais.
Si tu mets tout ça dans une tortilla, hussard, ça te fait une enchiladas, me semble-t-il. Pourquoi ma sauce n'est pas verte ? Mickaël Tromont me demande pourquoi ma sauce n'est pas verte. Tromont, il peut poser ce genre de questions, mais bon. Il y a de la tolérance et tout. Mickaël, pourquoi tu me demandes si ma sauce, elle n'est pas verte ? C'est comme si je venais te voir et je te disais, pourquoi ta tomate, elle n'est pas bleue ? C'est comme si je voyais une tomate chez toi. Comme je te disais, pourquoi toi, t'as pas les cheveux rouges ? Mickey. La sauce, elle est pas verte. Pourquoi tu veux qu'elle soit verte? Y a pas de... Pourquoi tu voudrais qu'elle soit verte? Des fois, au resto, elle est plutôt verte. Non? Non. Alors, peut-être sur un autre plat, peut-être. Ou peut-être que oui, dans un resto, la sauce, elle est plutôt verte. Mais là, a priori, si tu mets ça, qui est un truc que tu retrouves normalement dans quasiment... Enfin, si tu mets ça, déjà, c'est sûr que tu vas pas avoir du vert, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, une variante que tu peux avoir, sauce par du wasabi, ça marche. Oui, Yvonne, mais ça aura pas le même goût. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est... Il y en a qui mangent ce plat-là avec de la sauce nem. Oui, de la sauce nem. C'est un petit peu plus pour certaines personnes en France. J'ai pas envie de dire les blancs parce que j'en suis un à l'intérieur, quoi. Mais c'est des choses qui sont mieux acceptées. La sauce nem. Donc tu peux manger ça avec de la sauce nem. Voilà. Il y a une recette. Une recette. Où c'est avec de la sauce nem, quoi. De la salade et de la sauce nem. Avec du vinaigre de vin ? Ouais, comme tu veux, ça. En plat français typique, les carbonara. Ouais, c'est français, ça. Oignon, crème fraîche, et ainsi de suite. En boisson, excellente question, fin de. En boisson, pour accompagner tout ça, qu'est-ce que je conseille? Petit peu d'oasis tropicale. Hey, I'm gonna treat myself. Attendez. Là, je cuisine, ça fait 3 heures. Meilleur dimanche midi depuis longtemps. Non, tu bois ce que tu tu bois ce que tu veux avec. Tu peux te prendre après derrière un, je sais pas moi, 3 couleurs. Tu peux te prendre les trucs indiens, comment ça s'appelle? Un lassi à la mangue. Putain, c'est trop bon ça. Tu peux prendre un milkshake mangue, ça fait plaisir ça. Le yop indien, exactement. Exactement, ouais. Ah, c'est trop bon ça. Attendez, je crois que j'ai un bout de coriandre entre les dents. Non, c'est pas grave. Merde, l'idiot, il faut que je ferme ça. Voilà. Mais non, mais pour conserver la moisture. Eh ouais. Bon, Twitch. J'ai terminé, là. Je vais terminer de... Chut. Hop. Moi, je vais terminer de manger tranquillement.
Puis je vais ranger tout ça aussi, parce que j'aime pas. En fait, quand je cuisine, j'aime pas quand y a des trucs là, il y a des trucs là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà, je suis bordélique hein, dans la vie, partout. Mais quand je cuisine, j'aime pas laisser les trucs comme ça. Donc c'est la fin. C'est la fin. Est-ce qu'on se revoit ce soir, Off the Hot ? On va voir, je vais voir. Je vais voir, parce que c'est vrai que je me suis levé tôt ce matin. On va voir. Si on se voit ce soir, c'est pour faire du Darkest Dungeon 2. Si on se voit, ça sera automatiquement du Darkest Dungeon 2. D'accord ? Voilà. Est-ce que, pense, est-ce que t'as fait la même... Pense, il est toujours là ? J'aimerais savoir s'il a fait la même recette et s'il a le même goût. FR, ça fait plaisir. Il est dans l'ambulance ? Merde. Merde. Mais oui, mais vous aussi, vous savez que vous savez qu'il peut faire des trucs comme ça aussi. Faut le driver. Ma sauce a exactement ta couleur. Also, je suis brûlé au troisième degré. Merde. Pense, putain. Si t'es vraiment brûlé, genre vénère, envoie-moi ton adresse, je t'envoie une crème spéciale. Mais t'as pas le droit d'en parler, t'as pas le droit de la prêter à quelqu'un. Mais je peux faire ça pour de vrai. Voilà. Eh ouais, il est bientôt 15h. Voilà, donc entre midi et deux, bon, hein. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. D'accord ? Voilà. Je vais vous laisser. Je vous remercie évidemment toutes et tous d'être venus, d'avoir passé ce dimanche matin avec moi, d'avoir subé tout ça. Là, je suis un petit peu loin. Mais évidemment, vous savez que je vous remercie toutes et tous, là. Les Chirac, les fans de FR, les Poquelin, Chop, que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. Malstroms, Onekushi, Nikumok, Morer, JL, Bella Bardock, Ride, eh ouais, Néon, oh là là, Turbo Falafel, eh ouais. Eh ouais, ah non, et puis là, c'est qui ? Pense, eh ben voilà. Merci, hein. Merci beaucoup. On est à 9984 followers. Dans 16 followers, alors je pourrais annoncer officiellement la date de la soirée Les Catanes. La soirée des 10K. Des 10 000 followers. Les 10K followers. Les catins. La soirée des 10K. 10K les catins. Encore 16 personnes. Tant qu'il n'y a pas les 16 personnes truc, ça sert à rien. Je peux faire une soirée alors que c'est pas un truc qui existe. Donc voilà. Exactement, Kika. Voilà. Moi, je vais manger. Je vais vous laisser. Bisous, Twitch. On se voit peut-être ce soir. Le Jeff de Twitch, à la tienne. Ça fait plaisir. On se voit très certainement ce soir à 22h30 si j'arrive à faire une petite sieste, là. Si j'arrive à claquer une petite sieste. Ce soir à 22h30 pour du Darkest Dungeon 2. Et bon appétit. Il est tard. Hein. Mais bon, bon appétit quand même. Bisous tout le monde. Allez. Hop.
Je vais couper parce que j'ai l'impression que moi j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi.